Eh bien, salut à tous, bande de gamers, et bienvenue sur la suite de Final Fantasy XV. Donc, je crois qu'on est sur la partie 8. Sur la dernière vidéo, on avait fait, je crois, les tombeaux des rois anciens pour récupérer les armes fantômes. Et maintenant, nous sommes donc dans le chapitre 3. Et en passant les portes, j'ai vu qu'on avait le parc Chocobo. Donc, je me suis dit, direction les Chocobos, c'est obligé. Chocobo, animal emblématique de Final Fantasy. Donc, c'est parti. Allons voir ça. Bien le bonjour. On aimerait louer des chocobos. Louer des chocobos? Désolé, mais en ce moment, ça va pas être possible. Il y a un behemoth qui rôde dans la région. Une bête féroce qu'on a surnommée Morteuil et que personne n'ose affronter. Behemoth. Nos animaux sont terrorisés. Et je refuse de risquer leur vie. Alors pas de location pour l'instant. Cela dit... Vous m'avez l'air de gars capable et débrouillard. Alors peut-être que vous pourriez vous charger de lui. Bien sûr, je vous récompenserai. Ok. Pas vous forcer la main, mais... Pensez-y quand même. Ah ouais, récompense. Les voyages gratuits des chocobos. Alors attendez, voyons voir ça. Est-ce que c'est affiché dans la quête? Un éclat de reine, la reine 1, jamais 103, le point de destin, l'ami chocobo. Ça. Dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse? Tout va bien? Vous arrivez à tenir le coup? Des éléments sur les endroits. Ouais, des parkings. Carte, ville et rein, ok. Tenez. On va manger un petit morceau. Pour la route. J'arrive pas à voir combien c'est, mais on va manger ça. Ça. Ah ouais, enfin, pas trop tôt. Alors, bonus attaque niveau 8, attaque plus 80, PV plus 400, anti-crapaud, protège, ouais. Ok, je suis vraiment surpris que la magie crapaud est de retour. Ça doit faire bizarre de voir un héros transformé en crapaud. À cause d'eux, mes piafs sont sacrément stressés. Alors, voyons voir. Des crocs dans les plumes. Peut-être qu'on va faire d'abord la première mission secondaire, comme ça va nous entraîner avant d'affronter le P. Quoique il est au niveau 15, j'ai cru voir. Si vous pouviez nous aider, ce serait super. Toute heure, mortel. Bah, je vais faire la première sous-quête, comme ça va nous entraîner pour avoir quelques points d'expérience supplémentaires. Et ensuite, on partira en direction de. D'affronter les ce fameux Behemoth, pardon. Gladio, on y va. J'arrive. Ok, ils sont juste là. On va ramasser ça. Wow, ils sont une armée là-dedans. Allez. Coup. Ouais, toujours en vie. C'est parti. Regarde ça. Gladio n'a pas l'air au fond. J'ai gelé tout le monde, mon pauvre, lancer ta magie là. Oh non. J'ai bien vu que c'était empoisonné. Les monstres sont de niveau 12, je suis presque au niveau 19. Oh non, je suis au niveau 19. Et je fais aucun dégât quasiment, j'ai l'impression. J'aime pas ça. Il va falloir vraiment que je m'entraîne bien comme il faut encore plus. Hein. Voilà. Je suis empoisonné et tout. Un remède, voilà. Super potion, voilà. Prends ça. Gladio a pas l'air en forme. Sinon, je peux. Passer par là.
Oh, tu me suis un peu trop près, je vais m'occuper de toi. Combien de monstres il reste? Une super potion de plus. On va utiliser un peu plus ces objets. Oh, un qui est loupé. Reviens ici. Elle est super longue, la masse de mine, c'est impressionnant. Surtout utiliser les techniques maintenant, parce que je pense qu'on va être beaucoup plus technique, parce que les monstres commencent à devenir de plus en plus forts vu qu'on avance dans le jeu. Ils deviennent eux aussi de plus en plus techniques, donc du coup, même s'ils sont au niveau 12, ils restent assez forts. Donc il va falloir qu'on reste assez fort nous aussi pour pouvoir affronter ça. Ok, du coup moi Noctis il a perdu pas mal de vie. Allez, on va récupérer nos récompenses. Peut-être qu'avant de partir, je vais dormir. Comme ça, je récupère un soin complet. Je vais voir comment on fait. Analyser surtout la situation. Parce que je crois qu'au niveau objets, j'ai peur d'être à court. Donc on va voir combien je vais toucher là. S'il y a un vendeur d'objets dans les environs. Bravo, vous êtes sacrément résistants, les gars. Parce que je pense que... Oh non, ils ont dû en mettre qu'un seul, parce que deux quand même, ce serait abusé. Bon. Vaut mieux prendre quand même nos précautions. Brassier d'allié corps. Ah, on va savoir ça de suite. Hop. Non, pas encore. On va d'abord voir les équipements. Alors, gilet par balle, j'ai eu ça où hein. Un gilet protecteur fabriqué par l'Empire, il augmente la résistance aux balles. Une protection de cheville rendant hommage à un célèbre guerrier, elle augmente la constitution. Un bracelet armé d'un corps, il augmente la force. Ah oui, bien. Bien combien quand même. Je vais m'équiper de ça. Toi, tu vas t'équiper de ça. Toi, tu as quoi? Ouais, on va te mettre ça. Et toi, normalement, c'était celui qui a le moins de vie par rapport à l'équipe. Donc j'avais équipé esprit. Ouais, c'est ça. C'est le mieux, c'est qu'il garde ça. Bon, on va vendre les équipements. Non, c'était pas ici pour vendre. Je me suis trompé. Tout va bien. Vous arrivez à tenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la mission. Alors, de niveau 15, il est. Alors, on verra si avec le niveau 15, on s'en sort. Hein. Niveau 15, je suis au niveau 19. Techniquement, c'est bon. Ok. Direction. Ah. Quelque chose cloche. Allons voir. Ah ouais, d'accord. D'accord. C'est pas, ça a pas l'air d'être un petit monstre. Bon, on verra bien, on y va, on va voir. Les arbres en deux carrément. Il va se faire son feu pour l'hiver, je crois. Ah, comme par hasard, le brouillard qui commence à se lever. Ah non, 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 non. J'ai même pas encore affronté le monstre. Mais baissez pas la vie comme ça, les amis. Ça c'est fait, on les a éliminés assez rapidement. Cap
Apparemment c'est par là. S'il y a un truc ici ou pas. Je vois que c'est un cul-de-sac, mais bon. Dans les cul-de-sac, généralement, il vaut mieux toujours y aller dans les Final Fantasy parce que. Comme de Behemoth. Behemoth, pardon. Voilà, voilà. De toute façon, c'est un truc qui se vend super cher ou c'est un truc qui sert pour plus tard. Ouais, le Genji, ça j'en ai vendu tout à l'heure, ça paye pas mal ça. Oh. Ils sont des malades à y aller là-dedans. Moi j'y vais pas. Hein. C'est quoi, c'est sa grotte? Ça paraît d'être sa grotte. Ok, on y va doucement. On y va doucement, tranquillo. Ah, je le vois. Attends. On peut annuler l'émission ? C'est mortel. Ah bah non, t'es à ce blague. Il est assez grand pour qu'on le voie. Hein. Oh la vache, il pousse quelque chose là. On y va tranquillote, hein. On va se repérer. Hein. On y va par où ? On rentre à la maison, non, je crois. J'affronte pas ça, j'ai pas le niveau pour affronter ça, c'est pas possible. Immense. Oh, terre. Ah, je suis un poil de mousse de barbe là, ça va lui faire mal. On va le mettre KO en un coup comme ça. J'ai pas très envie, et en plus le brouillard se lève de plus en plus. On va essayer d'accélérer un petit peu. Oh oh oh, il y a un truc à prendre là. De l'autre côté de cet arbre. Quoi, le Gondi? Le Gwen? Le Kiongji? Il manque bien son œil droit et une corne. On le surprendra sur son flanc droit. Poursuivons-le. Putain, le brouillard il est énorme, il commence à devenir super épais le brouillard. Il va nous tomber dessus, on va même pas le voir, je suis sûr et certain. Ok, j'avance doucement. Je récupère les objets en même temps, au cas où si on n'aurait pas des élixirs et tout ça qui tomberait. Ok, on a 97 mètres, 80 mètres de lui je crois, c'est ça. Redoublons de prudence. L'objectif. Redoublant de prudence, moi j'accélère. Il est là. Hein? On se le fait. Non. Je le vois pas. Il doit se. Ah oui, je l'ai vu. On va le suivre discrètement et on l'attaquera là-bas. D'accord. Alors pas un bruit. Pas beaucoup, on le voit très très peu. Hein.
Doucement, doucement, tranquillo, tranquillo. Faire pas de bruit. Pas le déjeuner. Faut pas le déranger, pardon. Ou sinon on va finir en déjeuner, ça c'est sûr et certain. J'ai plus envie d'affronter ce monstre. Il va me bouffer. Regardez ça. Il est immense. Je suis sûr qu'il sait qu'on est déjà en train de là déjà. On le suit là tranquillote, tranquillote, tranquillement. Lui il doit se dire, il me suit. Je vais les amener à la maison comme ça, ça sera directement dans l'assiette. Et où? Je le vois plus. Je le vois plus. Oh putain, c'est dur. Doucement. Doucement. Tranquillote. Tranquillote. Ok, ok. Doucement, doucement, doucement. Oups. Il va être méfiant, il va me bouffer la tête. Ok, il a fait le tour du rocher en fait là. Ah, je vous dis, il se joue de moi, il fait exprès de faire des tours et des tours. Il sait qu'on va aller dans sa cabane, donc il fait exprès d'aller doucement et tout ça. Logique, je vois pas du tout où est-ce qu'il est. Ah, on va aller se mettre là. On va avancer tranquillote, tranquillote. On va essayer de se placer derrière ce rocher là. On va essayer de le réussir en un coup quand même, on va pas recommencer deux fois. Ok, doucement, doucement, mais sûrement. Faut lui faire une surprise, motherfucker, dès qu'on arrive dans sa cabane. Oh, il a accéléré d'un coup. Ça y est, c'est planqué. Vous avez trouvé l'antre de Morteuil. Faufilez-vous jusqu'au rocher dans les ruines. Zit. On accélère un petit peu. Non, hé. Rentrez. C'est marqué pourtant, avancez. C'est un petit peu chiant pour ce jeu, pour ça un peu. Quand il y a marqué avancer, on appuie sur A, il saute au lieu de faire les choses précises quoi. Là, il va apparaître là juste ici, il va me faire salut, je vous bouffe. On a à peine transpiré. Ouais, comment vous avez fait les gars pour être plus rapide que moi? Ouais, je sais. Ah yes, ça je prends. Je sais pas si je devrais d'abord m'équiper justement de peut-être. Ouais, je vais vite fait me faire une magie vite fait. Magie de feu, ça sert toujours. Ah, magie de foudre aussi. Ok. Le truc c'est que je crois que j'ai vendu quasiment tous mes objets, donc je vais pas avoir beaucoup de choses. Chaîne 5, niveau 65. Ah, on va prendre ça direct. Voilà. Équipé. Voilà. Et après on verra pour la magie de foudre peut-être. Ouf. Tant qu'on y est, autant la faire comme ça sera fait. On va pas s'embêter. Poil de Genji peut-être. Foudre double. Un feu stop. Allez, on va essayer ça. Si toutefois on peut le lui dommager des stops. Comme ça, il peut plus bouger. Et nous, on n'aura plus qu'à le fatiguer plus rapidement. Ok. Abattre Morteuil. Ça y est, on y est. Putain, c'est haut à sauter, ça. Faut sauter là. Ouh, j'entends. Il est pas loin, il est pas loin. Les gars, vous savez où est-ce qu'il est ou pas?
je vais aller par là vite fait. Oh. Je crois qu'il nous a vu. Désolé pour la manette qui me fatigue énormément. Faire exploser le baril avec feu pour blesser Mortuil. Oh merde, on fait comment pour viser les barils? Ah non. Eh ben, la chance est partie. Pas question de baisser le bras. Hop. Ok, c'est parti. Oh putain, il est gavé puissant. Faut que je me prends la fuite, moi. Hein. Vite, vite, j'appuie sur le jaune. S'il te plaît, merci de me téléporter là où je demande. Par ici ! Je sais. C'est bon, j'y vais. Allez, vas-y. T'as l'épée, gavé belle. Allez, bim ! On lui a enlevé presque la moitié de sa vie, les amis. Oh, t'as visé là, tête d'ail. Putain, j'appuie sur le bouton pour cibler le truc, il m'envoie les trucs n'importe où, lui. Pardonnez-moi du mot. Ça me saoule, ça, par contre, aussi. Et quelques trucs, c'est encore un peu énervant. Du coup, on a gaspillé notre magie pour rien du tout. Allez, les amis. Cette fois, la peur va changer. Et encore une attaque tourbillon. Il est presque mort. C'est bon, chasse réussie, on l'a eu. Eh ben, il fait plus peur qu'autre chose en fin de compte. Merde, quel dommage. Il est tellement beau ce monstre. Bon, on se casse vite avant qu'il se réveille, on sait jamais. Pas d'objet à prendre un peu plus bas là-haut. Ou je sais pas. Peut-être qu'en haut, dans sa taverne, il y aura un truc, là où il dormait, là où il était en hauteur. Un petit objet à prendre, un petit truc, je sais pas, sympa. Parce qu'ici, il y a un truc... Ah, déjà, je vois qu'ici, il y a un chemin. Où est-ce que ça amène, ce chemin? Ah, d'accord, c'était compté comme donjon, là, où on était. Ça a sa propre carte, ok, ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir par... Ah, voilà. Harmonica cassé, bien, ça se revend super fort, ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir par là, parce que le chemin m'intrigue, et on va se donner en rendez-vous directement... Oh, putain. Il est passé en force, le petit. Ok, ah oh, on a apparu vachement loin de la mission quand même. Il y a un trésor sur la route par là je crois. On va aller le chercher et puis on va revenir au fur et à mesure sur la mission qui est à 740 mètres quand même. Mine de rien, on a fait presque 1 km pour affronter ce monstre. Allez, où le trésor? Ah, j'ai loupé je crois. Ah non, il est en face de nous. En face de nous. L'avoir loupé, c'est pas possible. Ah, il est presque en face de nous, faut descendre un petit peu de ce côté là. Par là, ça y est, je le vois sur le radar, il apparaît. Donc on va récupérer ça et après on va se donner rendez-vous directement à l'endroit où il y avait le gars qui nous a donné la mission pour lui. Super élixir, ça fait plaisir. Soit ça, sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est finir sur cette vidéo-là et reprendre une nouvelle vidéo sur les chocobos directement. Où on va pouvoir s'amuser, s'éclater, se balader avec les chocobos. Ouais, je pense qu'on va faire ça directement, parce que moi, ça me laissera le temps d'arriver tranquillement jusqu'à là-bas. Eh bien, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite de nos aventures. Ciao, ciao les amis, et à la prochaine fois.